c'est la guenonis. C'est un oiseau qui vole, qui va sur les montagnes. L'aigle de Nice, ça fait 28 ans que nous organisons chaque année, régulièrement, sans sauter, le Grand Prix international d'art plastique de la ville de Nice et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons le soutien inconditionnel donc, de M. le maire et maintenant également de M. le président du conseil régional PACA. Et ça fait toujours plaisir. Et du conseil départemental, bien sûr, de M. Éric Ciotti. En 2008, j'ai eu le renfort. J'ai été gâté. C'est notre vice-présidente avec son mari qui est devenu mon adjoint pour organiser les expositions. Voilà, surtout pour approcher celui qui s'occupe de l'accrochage, du décrochage, du buffet aussi que vous allez prendre tout à l'heure. Voilà. L'organisation, ce n'est pas simplement une semaine, ce n'est pas seulement 15 jours, c'est toute l'année. Parce qu'on va sur Internet, on essaye de recruter des nouveaux, parce qu'il faut quand même de temps en temps du renouveau, hein. On ne peut pas toujours avec les mêmes. Et donc, le nouveau, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, c'est du boulot. Vous pouvez exposer gratuitement dans des salles, par exemple Saint-Jean-Cap-Ferrat, Grasse, nous avons eu l'honneur d'aller au Palais des Congrès de Grasse, Saint-Martin-du-Var, et dans mon village, l'Escarène. Eh oui, l'Escarène, si j'oublie l'Escarène, je me tire de gifle parce que c'est mon village. Voilà, donc pour vous dire, c'est pour 35 euros, hein, on n'est pas une association commerciale, nous sommes une association à but non lucratif. On ne gagne pas l'argent, mais ça nous fait plaisir. On le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire. Monsieur Richard Comte, qui nous vient toujours de Villefranche-sur-Mer, donc le conseiller municipal de Villefranche-sur-Mer, et c'est un fidèle, il est toujours là. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai dit le principal, mais avant je voudrais faire une minute de silence. J'ai un ami de très longue date, ça fait, je ne compte plus de 40 ans, hein, parce que c'était en 1976 que j'ai connu Carina, donc le père Carina. Il vient de décéder subitement, donc je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour lui, et également pour toutes les victimes de la promenade des Anglais du 14 juillet. Alors, une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie pour eux. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Alors, très heureux, ce n'est pas forcément une formule, c'est vrai. Voilà. D'abord, heureux de représenter tout à la fois le maire de la ville de Nice, Philippe Pradal, et le président de la métropole, Christian Estrosi, que j'ai lâché il n'y a pas très longtemps, puisque nous avons aujourd'hui un conseil métropolitain qui nous a mobilisés toute la journée. C'est peut-être une des raisons pour laquelle Auguste Vérola, qui va nous rejoindre dans peu de temps, et arrive encore en retard, moi j'ai pris un peu d'avance. Alors très heureux d'abord pour d'abord vous féliciter parce que le travail que vous faites est un travail magnifique, remarquable, et puis c'est un travail qui se mesure dans le temps. Vous savez, les expositions qui sont des feux d'artifice, c'est bien, mais quand on voit que dans le temps, au bout de 28 ans, vous continuez à être là et vous continuez à développer permettre aux artistes de se faire connaître, vous dire aussi que j'ai un autre plaisir aussi d'être parmi vous, c'est que, vous savez, tout à l'heure, le président me disait à Nice, l'aigle. Vous savez, à Nice, on n'est jamais que niçois. On est niçois de Carras, on est niçois de Pasteur, on est niçois de Saint-Roch. Et moi, je suis niçois de la Madeleine. Alors, vous comprenez qu'ici, je me sens encore un peu plus chez moi qu'ailleurs. Voilà. Et puis, vous dire que j'ai regardé un peu tout ce qui est exposé, et c'est une qualité remarquable. C'est vraiment d'une très très belle qualité ce qu'il y a là. J'ai l'occasion de côtoyer très souvent des artistes. Et ça me permet aussi ici, à travers vous, de leur rendre un hommage tout à fait particulier.
Ils sont très très importants dans notre ville. Ils sont très nombreux, parfois dans l'anonymat, parfois dans la discrétion la plus totale. Ils exercent leur art par passion et non pas par nécessité. C'est vraiment de la passion. Peu en vivent d'ailleurs, puisque c'est avant tout une passion. Ce n'est pas, ça devient un métier pour certains, mais c'est toujours une passion au départ. Et vous savez, vous faisiez allusion il y a deux minutes à ces terribles attentats qui nous ont frappés l'année dernière, au mois de juillet, très près d'ici. J'ai eu la joie d'organiser une vente aux enchères publiques il y a peu de temps, il y a même pas un mois de cela. Et tous les artistes de la ville de Nice, depuis les plus grands jusqu'aux plus modestes, ont offert des œuvres pour cette vente aux enchères, qui a rapporté quand même plus de 165 000 euros qui vont être donnés aux victimes des attentats de la ville de Nice. Car, bien entendu, on a tous en mémoire ce terrible chiffre des 86 personnes disparues, mais il y a au moins 300 personnes qui sont blessées, qui sont handicapées et qui vont avoir besoin de notre aide. Donc, et les artistes ont fait preuve là d'un élan de générosité extraordinaire que je voulais encore une fois souligner. On a la chance inouïe d'être dans une ville qui est la ville numéro un en France après Paris en nombre de musées qui sont les musées labellisés Musée de France. Et on est certainement une des villes dans lesquelles il y a la plus grande création artistique, et cela pas uniquement depuis la célèbre école de Nice, bien avant avec les Bréas, bien avant encore. On a toujours été une ville dans laquelle la création artistique est très forte. Vous avez l'honneur et vous avez vraiment fait quelque chose de merveilleux pour justement mettre en valeur tous ces artistes qui créent et qui nous font plaisir. La création artistique, c'est certainement en ce moment, dans la période que nous vivons, certainement une des choses les plus importantes qui est dans ces mailles. Alors bravo encore, merci à vous d'organiser ça. Merci et bravo à tous. Merci. Chaque année, qui n'est pas toujours le même. Ensuite, le président donne des feuilles ou un été des notes de chaque artiste. Moi, en tant que secrétaire de séance, je suis là pour surveiller que tout se passe bien, pour pas qu'il y ait de la triche, pour pas que, évidemment, de l'influence. Ça, je n'en veux pas. De favoritisme. Il n'y a pas de triche. C'est du concret. Du précis, voilà. Et ensuite, les membres du jury se réunissent, chacun avec sa feuille, puisqu'on leur donne à chacun une feuille où ils marquent les numéros des œuvres. Et ensuite, ils font le calcul des œuvres avec le nombre de points qu'ils ont obtenus. Voilà. Donc, je pense que j'ai été assez clair. Bon, ne pas confondre le jury avec le public. Parce qu'il y a aussi le prix du public. Le prix du public, donc, ça sera jeudi prochain, donc jeudi à 14h, le dépouillement du prix du public. Il y a une urne prêtée par la mairie de Nice, que chaque personne qui vient, chaque visiteur, avec un petit papier qu'on leur remet, et on les met, le visiteur, après, une fois qu'il a marqué un numéro pour la sculpture, un numéro pour la peinture.
Et ensuite, il va le déposer dans l'urne, là-bas, comme les élections, bon, mais à voter. Et ensuite, il y a aussi le prix, maintenant, depuis 3 ans, le prix Internet. Le prix Internet, c'est encore à nouveau quelque chose, où on peut voter sur aigledenis.com. Donc là, il y a le vote, on y arrive directement. Il n'y a même pas besoin de chercher. On clique sur voter et on vote. Une seule fois, on ne peut pas voter 2 fois. Voilà. Et ensuite, on fait la délibération, voir qui c'est qui a obtenu, l'artiste qui a obtenu le plus de voix. Soyez les bienvenus dans notre exposition. C'est la 28e année que nous organisons donc
règle d'initiative internationale. Alors il faut bien s'entendre. Ce n'est pas un salon comme tous les autres. C'est un salon, c'est un concours international d'apprentissage. Monsieur Auguste Vérola, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Ça fait moins de 40 ans qu'on se connaît. Quand vous aviez à l'époque, dans la rue Guéton, petit commerce, hein, je me rappelle, j'ai bien connu votre papa aussi, Max, le caviste, vice-président du conseil départemental. Vice-président, vous pouvez applaudir monsieur. Auguste Vérola. Merci. Et en plus, c'est ce monsieur qui avait marié mon copain, mon grand ami depuis très longtemps, Jean-Luc Garina. Et j'étais le témoin, d'ailleurs, hein, vous rappelez, donc de Jean-Luc Garina. J'ai fondé l'Église de Nice en 1988. Ensuite, la première édition en 1989. Et toujours au mois de novembre. Pourquoi au mois de novembre? Parce que premièrement, c'est un mois qui est creux, mais il se passe pratiquement presque rien. Et surtout, c'est un mois où il n'y a pas d'autre manifestation que la nôtre, on est les seuls. Alors évidemment, l'Église de Nice s'est accaparée du mois de novembre pour organiser le Grand Prix international d'art plastique, 28e année. L'Aigle de Nice, c'est aussi, c'est vrai que l'Aigle de Nice, je peux dire aussi que Jean-Louis Carina m'a beaucoup aidé, puisqu'il a été un petit peu mon professeur, entre guillemets, et il a toujours été près de moi, depuis le début jusqu'à la fin. Alors, M. Benedetto est le vice-président du jury de cette année, puisque le président, c'est surtout un cofondateur de la revue Univers des Arts, qui est la de l'ambiance, vous devez tous connaître. Donc le président m'a chargé de donner sa vice-présidente. Donc je demande aussi à ma vice-présidente, aussi Évelyne Grèce, de venir nous rejoindre. Monsieur Jean-Paul de Bellis. Président Vermine, à quelques minutes près, je n'étais pas là pour vous l'envoyer. J'ai donné encore un peu sur le temps de ma vie, et donc jamais. Je ne sais pas comment sa femme fait pour avoir un homme. Ça doit être un courant d'air, qu'elle a épousé, mais c'est une femme remarquable, je le dis toujours ici à l'auditoire. Et maintenant, on va détendre un peu l'atmosphère. On a donné bien sûr le président Bidon, mais je vous demande d'applaudir également sa femme et sa chère. Alors, bien sûr, pour cette légère reconnaissance, vous avez pu, naturellement, on n'y reviendra pas parce que ça a été fait juste précédemment, mais accueillir l'ensemble de son conseil d'administration qui travaille avec lui à ses côtés. Et les exigences d'Alain Bidon sont telles que, en un mot, c'est la réussite. Précédemment, le président a très bien présenté son association. Ce ne serait qu'une redondance qui tomberait dans le domaine de lassitude. Et si de valeur exponentielle, je pouvais dire que ce message a été très réussi, qu'aujourd'hui cette remise des prix le sera tout autant, eh bien c'est vers vous, mesdames et messieurs, que je me retourne pour vous remercier de votre présence. Et je souhaite d'ores et déjà que le 29e anniversaire nous rassemble tous, peut-être pas forcément dans les mêmes lieux, parce que nous avions l'habitude par passé de bouger. Un aigle ne couche pas systématiquement. Un aigle s'envole, un aigle va d'une commune à l'autre, mais pour l'instant nous sommes tellement bien dans ce palais d'agriculture. Et puis vous n'êtes pas venu qu'écouter les discours, vous êtes surtout venu apprécier l'ensemble de ces œuvres d'une exposition internationale comme celle-ci. Bonne soirée et comme on dit dans le midi, à l'enterrement. Je voulais vous dire le plaisir que j'ai
l'activité débordante de votre président, mon ami Bino, nous fait chaud au cœur. Vous l'avez bien compris, toutes les manifestations qui se déroulent cette année sur notre mandat des élus revêtent une signification combien particulière. La ville de Nice a été blessée. La ville de Nice a connu la tragédie, et la ville de Nice vous en est le symbole ô combien vivant. Se redresse, et elle ne se laissera jamais abattre par les extrémistes, les terroristes. Vous êtes réunis ici parce que niçois, amateurs d'art, et vous avez en commun ces valeurs qu'expriment l'expression artistique, des valeurs tout au contraire, des valeurs d'humanisme, des valeurs de volonté, de compréhension, des volontés de partage. Ce désir de culture, ce désir de partage, ce désir aussi d'affirmer que la vocation de la ville de Nice est d'être un phare qui éclaire naturellement au-delà de la région, au-delà de la nation, à l'international. Et je sais que vous avez cette année encore réuni un panel important d'artistes venus de toutes les parties du monde. C'est une réponse extraordinaire. Et permettez-moi, au nom de Philippe Pradal, au nom de Christian Estrosi, de vous en féliciter. Une réponse extraordinaire à ce qu'on nous a fait. Ce qui ne tue pas renforce. Vous êtes la démonstration que la ville de Nice, par l'expression culturelle, par l'expression de la solidarité, par l'expression artistique, en définitive, sortira renforcée de la tragédie que nous avons vécue. Merci à la ville de Nice, merci mon ami. Vous avez souligné ce beau palais de l'agriculture. Je rappelle qu'il a été entièrement rénové par le conseil départemental, à l'époque mené par Christian Estrosi. Heureusement que nous l'avons sauvé. Alors, c'est vrai qu'avec Alain, on se connaît depuis très longtemps. Je salue le président d'honneur qui nous a dit qu'il avait beaucoup de difficultés à venir de Paris. Mais je crois qu'il aurait mieux de rester à Nice, parce que d'abord, on a toujours pas fait d'avance sur Paris. Alors. Voilà. Alors, Alain a parlé de Jean-Louis Carina, et je vais être très bref parce que les lauréats attendent leur prix avant tout, et c'est normal. Je voudrais dire un mot sur Jean-Louis Carina, que j'ai eu le bonheur de marier avec Alain comme témoin il y a à peu près une vingtaine d'années, ça fait 20 ans, il y a 15 jours, le lendemain de ses obsèques d'ailleurs. Et j'ai proposé, et voilà, pour la journée de secours, puisqu'il se trouve qu'à la ville, je suis président de la commission des noms de rue. Pour ceux qui connaissent Alain, qui connaissent son parcours, ses peintures, son vélo, j'ai proposé que le petit bout de piste cyclable qui va dans l'avenue de Suède depuis l'avenue Gustave V jusqu'à à son magasin pratiquement, que cette piste porte son nom. Voilà. Bravo. Alors, bravo Alain pour d'avoir réuni cette année encore tous ces artistes. Et je pense que maintenant, vous avez entendu assez de discours, on va passer à la remise du prix, c'est le plus important. Et après, je tiens à féliciter au nom du président du département, et merci de nous avoir tous accueillis ici. Merci à vous. Alors cette année, la remise des prix va se passer différemment que les années précédentes. Je m'explique. J'ai fait une liste de personnes qui vont remettre des prix. Alors, on va commencer par M. Richard Comte. Il va remettre le prix de l'artiste étranger à mademoiselle ou madame J. Ilken Jong. C'est la Chine. Ensuite,
du parrain d'honneur à madame Teresa Tonelato, qui sera remise par son président.
Et pour la peinture, Monsieur Henri Hubert. Monsieur de Gordon, s'il vous plaît. Alors, c'est le prix de l'originalité. La photo. Aigle de Nice de bronze, section sculpture, remise par Monsieur Richard Comte. À Monsieur Teddy Copenhague en Espagne. Voilà. Section peinture, à Monsieur Bonnet Cox. Monsieur René Cox. Voilà. Aigle de Nice d'Arche, section sculpture. À Monsieur Pedro Agnès. Remise par Evelyne Grèce, dans la ministre d'État, et Monsieur Paul-Louis Rodon. Voilà. Et vive l'Espagne. Remise par Guillaume de Bidot et Alain Bénédéton, s'il vous plaît. Alors, c'est la Chine, c'est Gilles Yvienne Jean. Monsieur Michel Durand pour la sculpture et Madame Catherine Gardon pour la peinture. Alors, l'aigle de Nice d'or, sculpture, donc c'est Monsieur Durand qui va le lui remettre, à Monsieur Hervé Segond pour sa pierre. Vous avez une chaleur exceptionnelle et une reconnaissance